Salut tout le monde! Dans ma dernière vidéo, dans la rubrique médias, je vous avais présenté les DVD de l'Ascens et je vous avais dit qu'on reviendrait sur cette méthode très bientôt, de nouveau dans la rubrique médias. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui puisque je vais vous présenter leur livre qui est tout récent puisqu'il est sorti il y a un petit peu plus d'un mois et demi. Alors j'avais vraiment hâte de le recevoir et de le découvrir, mais aussi de vous le faire découvrir à vous. Alors je n'en dis pas plus et on va tout de suite se pencher dessus. La méthode Lascens, c'est donc le livre qui va nous exposer l'intégralité de la méthode du Hara de Lascens qui, je le rappelle, est spécialisée en équitation éthologique. C'est un livre qu'on peut se procurer depuis le 20 avril 2017, donc comme je vous l'ai dit, c'est tout récent, et il y a énormément de contenu dans ce livre puisqu'il fait 544 pages. Alors on va voir plein d'intervenants différents, mais bien sûr on ne verra pas Andy Booth puisque je le rappelle, il ne travaille plus avec le Hara de Lascens vu qu'il a monté sa propre société. Et c'est son successeur qu'on va voir, Manuel Godin, puisque maintenant c'est lui qui est le directeur technique du Hara de Lascens. Alors je tenais à redire cette petite précision à propos d'Andy Booth et de Manuel Godin parce que c'est vrai que le nom du Hara de Lascens et d'Andy Booth ont encore tendance à être très associés même aujourd'hui, mais du coup Andy n'a pas travaillé sur ce projet de livre. Alors lorsqu'on achète le livre, bien entendu, on a le livre, mais on a aussi un petit bonus qui est très sympa, ce sont des vidéos, puisqu'on a 32 vidéos gratuites auxquelles on peut accéder sur le site de Lascens en se connectant, et on va avoir en fait 4 vidéos par degré. Alors je le rappelle, chez Lascens, on a 8 degrés, et c'est l'équivalent des 5 savoirs éthologiques établis par la Fédération Française d'Équitation. Au niveau du contenu, ce livre est divisé en 3 grandes parties, donc du coup on va regarder un petit peu à quoi correspond chaque partie et ce qu'on peut trouver à l'intérieur. On commence avec l'éthologie au sens premier du terme, c'est-à-dire l'étude du comportement du cheval. On va se pencher sur la nature du cheval, sur ce qu'il faut apprendre aussi pour passer ses savoirs du premier au cinquième et les connaissances incontournables qu'il y a en éthologie équine. Ensuite, on se penche sur les principes éthologiques, c'est-à-dire sur l'éducation du cheval, sur les mécanismes à apprendre, mais aussi sur les attitudes à avoir pour nous en tant que cavaliers et sur toutes ces notions qui sont indispensables pour créer une complicité avec notre cheval. Et enfin, on termine avec la partie la plus imposante, et là ce sont les exercices pratiques. Alors on va avoir de tout, des exercices au sol, des exercices montés, avec ou sans harnachement, dans des installations ou en extérieur, on va vraiment avoir des choses très variées, puisque tout ça, ça compose les 8 degrés du Hara de Lascens, et du coup bah aussi les 5 savoirs de la FFE. Donc on retrouve vraiment l'intégralité de la méthode dans ce livre. Première chose à noter, c'est que je trouve que c'est vraiment agréable d'avoir enfin un support papier de la méthode Lascens, parce que dans mon cas par exemple, je n'avais que les DVD pour m'initier à cette méthode, et ça m'est arrivé pas mal de fois, 5 minutes avant de partir aux écuries, de vouloir re-regarder un exercice pour me le remettre dans la tête, et ça, et bah, le faire avec un DVD, c'est pas forcément pratique, parce qu'il faut visionner le DVD, aller au bon endroit, regarder toute la séquence, alors qu'un livre, on l'ouvre, c'est tout de suite beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique, et en plus ce livre là est vraiment très bien organisé, donc je suis ravie qu'il l'ait fait. C'est un livre avec beaucoup de pages, donc il faut aimer lire, je pense. C'est un livre qui est très complet, qui est très technique, mais qui est très bien expliqué. Et je vais m'attarder surtout sur les exercices, parce que les exercices sont vraiment top. Si vous regardez par exemple cette page, vous regardez un petit peu comment c'est agencé. Donc on a le titre de l'exercice, et puis on a matériel, objectif, comment dois-je faire, à quoi sert cet exercice, pour progresser, à éviter... Et enfin, concept utile. Donc je trouve que c'est très bien organisé, on comprend super bien, ça fait vraiment des textes clés comme ça qu'on voit. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont ils ont agencé les articles comme ça. Ensuite, ça m'a vraiment fait plaisir de voir la partie théorie, comportement, parce qu'ils auraient très bien pu faire un livre qui soit uniquement un manuel avec que de la pratique, que des exercices, mais ils ont vraiment respecté l'esprit de l'équitation éthologique où la théorie occupe une place très importante, et du coup bah, ils ont mis toute cette partie comportement que moi j'ai vraiment appréciée.
Ensuite, je trouve que les vidéos, c'est un réel avantage parce qu'il y a vraiment des exercices, ou plutôt des manipulations, qui sont pas forcément évidentes à comprendre en livre, que ce soit grâce au texte ou aux photos. Je pense notamment à tout ce qui est les nœuds avec les cordes ou les agencements de l'école, ce genre de choses. Et le fait d'avoir bah, la vidéo sur le site où là, on voit vraiment comment on fait, bah, ça c'est vraiment génial parce que ça permet de compléter notre compréhension. Et enfin, je vais terminer sur une dernière chose qui, à mon sens, est l'un des plus gros points forts de ce livre, c'est vraiment les illustrations, parce que c'est un livre qui est magnifiquement illustré, et ça j'insiste vraiment là-dessus. En plus, moi, c'est quelque chose auquel je suis très attentive, et vraiment, les photos sont magnifiques, les photos sont toujours au bon endroit, elles expliquent bien ce dont parle le texte. Donc vraiment, ça a été un régal de lire ce livre et de regarder toutes les belles photos qu'il y a dedans. Donc, en conclusion, je trouve que lorsqu'on s'intéresse à l'équitation éthologique, eh bien, la méthode Lassence est quand même une méthode incontournable. Je trouve que c'est bien de la connaître. Et en plus, pour l'avoir testée, c'est une méthode vraiment qui apporte plein de choses et qui marche très bien. Donc ce livre, je vous le recommande. Moi en tout cas, même en connaissant déjà la méthode à travers les DVD, je ne regrette absolument pas d'avoir acheté ce livre. Je m'en sers très souvent. Bah, comme je vous l'ai dit par exemple, juste avant de partir à l'écurie, je regarde un petit peu les exercices pour que ça me donne des idées pour mes séances. Donc je suis vraiment contente de l'avoir. Je suis très heureuse que Lassence l'ait sorti. Et si vous, vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse à cette méthode et qui se pose des questions sur le livre, n'hésitez surtout pas à lui partager la vidéo. De mon côté, je vais vous laisser. On va se retrouver la semaine prochaine où on continuera la désensibilisation aux drones. Et moi, je vous dis à très bientôt.